Bonjour et bienvenue sur le plateau de Coloc. Alors, c'est une émission spéciale où nous allons fêter la nouvelle année et nous profiterons pour revenir sur les émissions précédentes de Coloc, l'aventure Coloc. Alors, nous verrons des images inédites, des bêtisiers avec des images et des séquences qu'on ne vous a jamais osé montrer dans vos écrans de télévision. Et nous profiterons aussi pour visiter tous les recoins et les rouages d'une émission de télévision. Tout ça dans une ambiance magique et de fête. D'ailleurs, Maxime, pour commencer cette émission, a décidé de nous faire un petit tour de magie à sa manière. Je vous demande de l'applaudir. Voici Maxime ! Maxime ! Maxime ! Où est Maxime ? Maxime a... Je crois que Maxime a disparu. Peut-être que le tour de magie a peut-être trop bien fonctionné. On va peut-être quand même débuter l'émission, peut-être que nous le retrouvons durant l'émission. Maxime, tu es là ? Alors je crois qu'on va quand même débuter l'émission. Vous pouvez applaudir notre invité que j'ai le plaisir d'accueillir. Monsieur Isenman, bonjour. Alors monsieur Isenman, tout le monde vous connaît sans vous connaître. Comment est-ce possible ? Les gens connaissent un tout petit peu ma main droite. Votre main droite, c'est oui, laquelle? C'est celle-là, c'est là où il n'y a pas la montre. Oui. C'est celle-là. Et comment est-ce qu'ils vous voilà. La connaissent? Avec ce geste-là. Voilà, exactement. Donc là, au bout de cette main droite, il y a souvent, enfin, il y avait souvent Albert Levert. Vous l'avez compris, le créateur des Babibouchettes. Alors, à quel âge avez-vous rencontré votre première Babibouchette? Ou à quel âge, je ne sais pas, mais je crois que tout le monde l'a rencontré bien avant moi. Il suffit d'avoir fait la lessive une fois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire la lessive, oui. Et il y a toujours un moment où il faut mettre la main à l'intérieur de la chaussette pour la retourner. Exactement. Voilà. Ben, moi, elle est restée, tout simplement. Un jour, elle a commencé à vous parler. Exactement, c'est ça. Et ce jour-là, elle est née la c'est aussi simple que ça. Oui, oui. Ben, ça, l'idée m'est revenue longtemps après, mais le premier mouvement, ça devait être celui-là. Et pourquoi Babibouchette? Ah, parce qu'une chaussette, c'est un bas. Un bas qui babille à une bouche. Et comme c'est une marionnette, Babibouchette. En fait, l'explication est venue vous après. Vous savez enfin pourquoi est-ce que notre émission s'appelle Les Babibouchettes. Depuis un moment que ça me trottait dans la tête. Quel âge ont aujourd'hui les Babibouchettes? Ben, les Babibouchettes ont apparu pour la première fois à la télévision au mois de septembre 1981. Donc ça va faire 25 ans l'année prochaine. 25 ans, une belle fête en tout cas pour ces marionnettes. D'ailleurs, on va vivre une séquence souvenir ensemble. Je crois qu'il y a une petite anecdote là autour de cette séquence d'ailleurs. Oui, vous allez voir, c'est des problèmes d'archives, évidemment. Il y a 25 ans, on ne pensait pas que cette émission allait devenir une émission culte. Donc on a un peu balancé des trucs. La première émission, il ne reste plus qu'une copie de travail sur laquelle vous verrez ce qu'on appelle le time code, c'est-à-dire une espèce de numérotation de chiffres qui défile. On en avait besoin pour travailler. Alors c'est le tout premier générique de la toute première émission des Babibouchettes. La première émission des Babibouchettes pour vous aujourd'hui. Voici donc séquence souvenir. T'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as 6 ans, t'en as 7. Si t'as plus, si t'as moins, ça fait rien, fait rien. Lève le bout de ton nez, c'est les Babibouchettes. Si t'as 4 ans et demi, ou bien 7 ou 7. Et même si t'en as 5, ou même si t'en as 6, voilà le facteur Hyacinthe et Mademoiselle Cassis. Les Babibouchettes, de grands souvenirs, de grands moments de bonheur. Alors, il y a peut-être truc qu'il faut dire, c'est que ça dira peut-être pas grand-chose aux gens qui sont là, mais ce générique était tourné en film, c'est-à-dire avec du vrai film, pas de la vidéo. Docteur K et son assistante. Mais comment ça va? Vous avez vu l'heure ou bien? Quoi? Mais on a déjà commencé l'émission. Voilà. Quelle horreur! Quoi? Non mais arrête. Mais... C'est quoi ce chenille? Mais oui, on a commencé. On m'a dit de venir, on m'a dit que c'était bon, on m'a donné le top dans l'oreillette, c'est bon. Mais écoutez, je crois que vous avez un petit peu de retard. Puis d'ailleurs, mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Ah ouais, parce ça... que c'est le Docteur K, c'est le coloton. On vous a pas dit, c'est une émission spéciale fin d'année. On m'a rien dit. C'est toi qui es sur les téléphones tout le temps. C'est qui le manager? C'est moi le manager, d'accord. Mais c'est toi. Non, mais c'est toi qui t'occupes de ça. Non, mais c'est pas vrai. Puis on fait quoi alors maintenant? Écoutez, il va falloir trouver des solutions. Il faut trouver des idées. Moi, j'aimerais bien que vous fêtiez avec nous cette nouvelle année. Peut-être pas habillé en docteur. C'est toujours la même chose de toute façon. On y va. On fait quoi maintenant nous? A tout à l'heure, docteur K.
J'espère qu'ils seront à l'heure tout à l'heure et puis peut-être habillés un petit peu différemment. Alors moi j'ai une question, il est où Albert? Vous n'avez pas pu le prendre avec? Oui, oui, il était là, mais il est intenable. Dès qu'il voit des câbles, des caméras de télévision, des trucs comme ça, je ne peux pas le tenir. Vous ne savez pas où il est là? Il doit se balader quelque part, mais où alors, je ne sais pas. J'entends du bruit, peut-être que c'est Maxime qu'on va aller rejoindre. Eh oh les gars! Ouh, je suis là. Et Maxime, tu es là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, je sais pas trop ce qui m'est arrivé, mais je suis vivant. Ça, je suis sûr, je suis vivant. En tout cas, on retrouvera notre magicien tout à l'heure. Et puis, j'ai une très bonne nouvelle pour Monsieur Eisenman et pour toi, Christophe. J'ai retrouvé Albert, qui est là-bas. Il est avec nous. Albert oui, Lemire, il est avec nous. Reconnu. Mais non, tu m'as même pas reconnu, je suis tout noir. Voilà, je suis là, Bonjour Albert. Ah ben, je suis là, j'ai un petit flou, mais bon, tu vois ce que c'est. Alors, Monsieur Levert, merci d'être là. Oui. On peut se tutoyer, Albert? Bah, essaye toujours, hein. D'accord. Alors, on t'a plus tellement vu à la télé ces derniers temps, tu faisais quoi? Oh oui, mais c'est parce que tu te lèves pas le samedi matin à 8h30 où je suis là. Ah, c'est possible. Alors. Ah bah voilà, hein. Et t'es d'accord d'explorer les coulisses de l'émission avec moi pendant tout colloque, là? Mais je suis d'accord de colloquer les coulisses de l'exploration comme tu veux. Ok, super. Alors ici, on est au centre névralgique de l'émission. Névralgique. Oui, c'est pas mal, j'ai cherché longtemps ce mot. Oui. Mais tout passe par ici pour arriver chez vous, dans votre poste de télévision, comme vous le voyez en ce moment. Et le maestro ici... C'est JP, Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, ça va? Écoute, ça va. Tu vois, c'est là qu'on choisit un peu les caméras. À côté de moi, j'ai Patrick, il y a Jonathan. Patrick, c'est comme du temps d'Astérix, il y avait des scribes. Lui, c'est un script. D'accord. Un script. Alors, c'est quoi le boulot d'un script? En gros, le boulot d'un script, c'est le planning complet de l'émission, minute après minute, tout ce qui se passe. Et en fait, il n'y a strictement rien d'imprévu, parce que autrement, c'est pas marqué dans le truc. Là, par exemple, je ne devrais rien dire du tout, parce que c'est pour... Et on arrive forcément à un bon résultat. Okay. Et puis alors, c'est pas trop difficile, avec seulement deux yeux, de regarder toutes ces images en même temps, Jean-Pierre? Bah écoute, on essaye, mais surtout quand on est dérangé par plein de monde, il y a Albert qui vient, mais oui, lui il connaît d'accord, un bout. Je hein. me fais tout petit, hein, je suis t'es, plus que... T'es un pro, Albert. Oui, t'es tout petit là au coin de oui. l'univers. Bon, on va vous laisser travailler. En tout cas, pour nous, pour commencer cette émission, on va retourner sur les moments avant la première émission. Les moments d'avant qui étaient avant ceux qui venaient juste avant. Qui exactement. Il faut lire ta fiche, il faut la lire, c'est mieux. Alors, les moments mouvementés et d'avant. Tous les jeunes se sont engagés dans colloque avant tu de... Maxime, c'est... Là, ils m'embêtent tous, c'est quoi. Névralgique. C'est insupportable. En tout cas, on se rebranche quelques années en arrière, quelques temps en arrière, et regardez ce que ça donne. Et ça fait quoi si j'appuie là? Août 1902, avant même d'être né, Hassan, le père spirituel de Dinergy Productions, avait déjà encore sous forme moléculaire l'idée de faire une émission de télévision. Malheureusement, de là où il était, rien n'était possible. 27 juillet 1952, le petit Hassan, enfin né, pensait qu'à une seule chose, faire son émission de télévision. C'est quelques années plus tard, en 2002, qu'enfin tout put se concrétiser. 27 avril 2002, journée de casting et recherche du concept. Je m'appelle Virginie. Bonjour, je m'appelle Xenia. Bonjour, je m'appelle Sandrina. Je vais vous parler de l'Expo 02. Je vais vous parler du Front National. Je m'appelle Faye Aubert, je vais vous parler de mode. 16 novembre 2002, journée de casting et recherche du concept et formation. Les jeunes, ils avaient envie d'exprimer certaines idées. Et puis, c'est là où venait le concept un peu de mettre un plateau qui s'appelle émission télévision colloque, qui permet un peu à ces jeunes de s'exprimer. Il faut en chercher des concepts, car plein d'idées c'est bien, mais quand elles sont bonnes c'est mieux. Imaginez qu'il faut plaire à tous, mais en plus il faut plaire à tous. 18 janvier 2003, journée de casting et recherche de concepts et encore de formation. Nous avons pris du temps avec eux, nous les avons convoqués dans plusieurs jours pour faire un brainstorming, voir ce qu'eux ils avaient envie de faire, ce qu'eux ils ont envie de réaliser. Ce n'était pas un projet clé en main qu'on leur donne de réaliser, on aimerait bien que ça vienne d'eux-mêmes. 1er février 2003, journée de casting et recherche du concept et toujours de la formation. Il faut apprendre à parler juste, à filmer, à animer sans trop passer pour un cornichon, poser les bonnes questions, trouver des solutions. Bref, la TV, c'est un métier. Un aperçu du lancement de l'émission. Beaucoup de jeunes qui se sont investis avec une ribambelle et vraiment beaucoup d'idées. Reste encore à concrétiser cette idée. Bonjour. Ce sera dans la suite du document qu'on va voir. Bonjour Maxime. Bonjour. Il est là, Maxime. Salut Christophe. Bonjour.
Alors voilà, je suis revenu. Ça va ? Albert, il a voulu rester dans la régie, il se sent bien. Enfin voilà, il fête la nouvelle année avec l'équipe dans le bus régie. Il est content. Des débuts laborieux, hein, vous avez vu, c'est fort, hein, le lancement d'une émission jeunesse, n'est-ce pas ? J'ai retenu du petit sujet qu'on a vu, c'est qu'il y a eu beaucoup de casting et de recherche de concept. Et c'est effectivement la base d'une émission. Comment on fait pour faire des castings de Baby Bouchette ? C'est on là va dans où son on a... armoire. Bah, disons que c'est peut-être la supériorité qu'a la marionnette sur l'être humain, c'est qu'à partir du moment où une histoire est écrite, on peut avoir le personnage exact qu'on veut parce qu'on le fabrique. Et après, il y a l'aboutissement du travail, comme à Coloc, on travaille beaucoup. C'est Inergie, justement, qui a mis cette plateforme d'expression à disposition des jeunes pour que les jeunes puissent discuter de leurs opinions et pour aussi que les adultes comprennent la jeunesse. Maintenant, on va voir l'aboutissement avec quelques morceaux choisis. Qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà. Et vous faites quoi ? Mais c'est pas vrai ! Vous avez reconnu ? Cheetah et Tarzan, ou Tarzan et Cheetah, non, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ça te va comme ça ? Non, c'est pas terrible. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On avait dit quoi ? Attends, tu m'as dit de trouver une idée avant la fin de l'émission. Non, on avait dit de trouver une idée pour une émission pour la fin de l'année et pour la nouvelle année. Bah, tu crois pas que c'était une année de singe cette année ? Oui, un peu. Avec Ben Laden et compagnie, là. Avec vous, c'était en tout cas une année de singe. Moi, je trouve qu'avec vous, avez donné. Ce qui se passe sur la Terre, c'est... C'est ça que je te fais, c'est pas vrai ça. Attends, on répète ce qu'on avait fait. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Bon, voilà, allez, maintenant, allez, allez, allez chercher autre chose. Je crois qu'il faut trouver une autre idée. Allez, vous êtes d'accord ? Voilà, ça y est. Bon, je disais donc que maintenant, on va voir quelques morceaux choisis des trois émissions qui ont précédé celle-ci. Regardez, ça vaut le coup, voilà. She walks around the streets on the free. Some said, kid, you better listen to reason. 15 mars 2003, émission des jeunes, première émission. Un peu le bordel, mais bonne expérience pour tous. Il faut prendre ses marques, la plupart de ces jeunes n'ont jamais vu un plateau de télévision de leur vie. Juin 2003, émission de la mode, Miss Suisse romande avec ses copines de l'élection. J'en connais un qui était particulièrement tendu ce jour-là. Septembre 2003, émission du sport. Bert Kindler avec l'apparition du Colotron et son Dr K, un type franchement zinzin. L'ambiance est plutôt bon enfant, avant, pendant et après l'émission. Dans les coulisses, il y en a qui rigolent sec. Une aventure qui se poursuit aujourd'hui sur ce plateau. L'aventure Coloc. Monsieur Sinman, qu'est-ce que vous pensez de cette aventure avec tous ces jeunes ? Ben, je dois avouer que je n'étais pas au courant du tout, mais c'est vrai qu'au départ, ça paraît être une très très bonne idée. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Quelle est l'émission que tu as préférée ? Moi, j'ai ma petite idée, mais quand même. Je crois quand même que c'était l'émission de la mode. Ouais, je te sens venir, bien sûr. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'il y avait les filles de l'école qui étaient venues relooker les Miss qui avaient fait le défilé, que tu avais beaucoup apprécié d'ailleurs. Eh bien, elles sont là aujourd'hui avec leur professeur Patricia Pennacchio. Alors, je te laisse peut-être les rejoindre. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Oui, très bien. Changement un petit peu de décor aujourd'hui. Quelle était l'ambiance sur ce plateau le jour du tournage de l'émission de la mode ? C'était très bien. En tout cas, des bonnes expériences que vous avez vécues. Vous étiez contente d'avoir pu participer à cette émission ? Bien sûr.
On va revoir d'ailleurs quelques images de vous qui relookez Miss Suisse Romande et les candidates Miss Suisse Romande 2003. C'est qui fait le maquillage vous-même ? C'est moi et Akifa. Oh, c'est génial. Alors, j'ai Malika et Charlotte à côté de moi qui ont relooké Nancy. Alors, pourquoi vous avez choisi ce style pour relooker Nancy ? Parce qu'il est bien, il est extravagant, puis il dévoile beaucoup de choses. Et pourquoi Nancy, plutôt qu'une autre ? Vous l'avez choisie, elle, particulièrement pour porter ce style ? Eh ben, en fait, c'est la maîtresse qui les a choisis, mais moi, je suis très contente de pouvoir l'avoir relookée et coiffée, parce que je la trouve très, très jolie. Vous les connaissiez avant, les Miss ? Non. Et, mais j'ai entendu que c'était bonne ambiance dans les coulisses. Hein. Vous avez fait connaissance un peu et ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Alors, bah, dis donc, un grand travail que vous avez fait là. Je crois qu'on peut les applaudir. Ça t'a donné envie pour peut-être en faire ton métier ? Quel genre de métier alors ? Styliste. Styliste, relooker les gens et créer des choses ? Bah, bien sûr. Tu es plutôt quel style ? Là, je vois que tu as une magnifique cravate. Classique un petit peu. Classique. Merci beaucoup Christophe, merci aux filles, on peut les applaudir, merci beaucoup. Alors monsieur Hisselman, est-ce que Albert Levert s'est déjà fait relooker par des filles d'une école comme ça ? Non, il a passé comme tout le monde au maquillage à la télévision, bien mais sûr. Autrement non. Et il garde toujours une forme jeune, hein, on l'a vu avant. Oui, pourtant c'est la même chaussette depuis le début, c'est la même. Alors, une émission à son public, est-ce que vous avez reçu beaucoup de retours quand vous faisiez les Baby Bouchettes ? Ah oui, ben oui, c'est une émission qui a duré quand même 19 ans, donc quotidiennement, ça fait 3800 et quelques émissions quotidiennes. Donc vous imaginez bien qu'en tout cas au début, on recevait énormément de courriers. Mais il y avait toute une gamme, de, moi je me souviens, il y avait Albert Levert, donc on a vu, qui est là, il y avait Mademoiselle Cassis, Factoria Saint. Il y avait des musiciens parmi les Baby Bouchettes ? Il y a le jardinier du Garten qui jouait du piano, un peu de tous les instruments de musique. Il y avait Ginette Lapoule aussi. Et il y avait Ginette Lapoule, effectivement. Ginette Lapoule. Ouais, ouais. Et puis surtout, bah, il y a ces personnages, bah, effectivement c'était des chaussettes, mais c'était aussi des voix. Et la voix du facteur Hyacinthe, 81 personnes le connaissaient, c'est François Sylvan. Par exemple, c'était François Sylvan. Voilà, une des deux voix de Caline et Lucas, c'était Maria Métral, enfin, etc. C'est des gens qu'on ne connaissait pas du tout à ce moment-là, avec qui je travaillais depuis déjà quelques années. On va découvrir aujourd'hui toutes les ficelles des Baby Bouchettes, et ça continuera durant le fil de cette émission. Alors, pour nous accompagner en musique... Ça va faire plaisir à Ginette Lapoule, je suis sûr. J'en suis sûr. Oui, je suis sûr. Voici le groupe Légende, mené par Olivier Motter. J'ai la chance d'avoir avec moi ce soir le facteur Hyacinthe à l'accordéon et Mademoiselle Cassis qui a rajeuni un peu. Toi qui dans tes perles noires porte l'Asie, l'Orient, rouge et ta sombre tes parents, enterré par le mépris dans l'indifférence des grands de ce monde trop petit pour les petites gens. Je t'écris cette lettre sous la forme d'une chanson que tu entendras peut-être avant de porter mon nom. Ni l'adresse ni la destination, je l'envoie à la détresse qui orne ta maison. Tu sais, j'attends forcément quelques mots en retour, même si dans le vent ils se perdent mon amour, mon enfant. Juste le temps de te faire des frangins, des petits orientaux, des petits africains, des gars, une famille avec ta mère et moi, peut-être même une fille, mais ça on ne le choisit pas. Pour l'heure, je te rêve.
rêve encore, et j'imagine ta main avoir mieux que de l'or à portée de mes mains. Je t'écris cette lettre sous la forme d'une chanson que tu entendras peut-être avant de porter mon nom. Je ne sais ni l'adresse ni la destination. Je l'envoie à la détresse qui orne ta maison. Tu sais, j'attends forcément quelques mots en retour, même si dans le vent il se perd mon amour. Mon enfant qui dans tes sombres soirs fredonne la même chanson, qui mélodie de l'espoir se nomme adoption. Je t'écris cette lettre et compose ta chanson que nous. Bravo, c'était Olivier Bottet. Allez, on les acclame, c'était extraordinaire. Fabuleux. Merci beaucoup d'être là, Olivier, avec tes musiciens qui sont là. Alors, on lit sur ton CD que tu es, enfin sur la pochette de ton CD, que tu es auteur, compositeur et hélas interprète. Demande alors, demande-leur pourquoi hélas interprète. Demande surtout à Manu qui chante avec moi. Je chante jamais deux fois la même chose. Et j'ai une maladie depuis tout petit. Au fait, je souffre d'arythmie, pas cardiaque, musicale. Bon, alors va. Voilà. Et puis alors, justement, c'est beaucoup de travail pour en arriver là, pour assurer devant cette foule, et puis toutes ces caméras, et puis Christophe, et puis Monsieur Eisenman, et puis Albert Levert. Surtout Albert Levert. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, on se voit, quand on a des grands concerts, on se voit plusieurs fois par semaine, aussi les week-ends, des fois des week-ends en entier. Mm-hmm. Mais on fait pas que de la musique aussi, hein, on fait aussi... Vous amusez un peu. Exactement. Et puis alors nous, on peut aller s'amuser en vous écoutant, en 2004. En 2004, le 13 mars... je dis pas encore la salle parce que voilà, mais ce sera un concert de soutien pour le Cameroun, pour une association qui s'appelle Solidaire, et il y aura entre autres Marc Aymon avec nous. Alors voilà. Alors ben on sera là, on sera au rendez-vous, on peut les applaudir. On vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle chanson. Ok, à tout à l'heure, merci. Merci à tous. À tout à l'heure, vous êtes toujours bien sûr devant Colloque, une émission avec des jeunes, fabriquée par des jeunes. Ce sont donc à eux que nous donnons la parole, que nous donnons la possibilité de s'exprimer sur différents sujets, et des sujets donc qui sont traités avec des professionnels. Alors les jeunes, ce sont des chroniqueurs chez nous qui partent avec leur caméra, des pros qui sont là avec eux. Nous allons d'ailleurs voir leur travail en images. Voici Lucie, Anne-Sophie, Isabelle, Patrick et Gratien. Ouais, bonjour, on peut les applaudir parce qu'ils ont fait du bon boulot. J'étais un petit peu anxieuse d'interviewer des personnes aussi connues, moi qui suis pas du tout professionnelle. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, j'étais très à l'aise, ils sont très sympas. Je voulais un petit peu essayer de répondre à la question de comment nous fait-on croire à la mode. Qui est derrière tout ça? Pourquoi cette passion du roller? Bon, en fait, ça vient un peu par hasard. C'est une première fois on met des rollers comme ça par hasard, avec des rollers de quelqu'un d'autre qui traînent comme ça. Et finalement, on y prend de plus en plus goût, on est de plus en plus souvent en roller. J'aurais bien voulu des personnes dans le style un peu hip-hop ou aussi des skateurs. Ces gens-là, j'ai essayé de leur parler, ils n'ont pas accepté. Et par contre, alors, croiser une gothique simplement dans la rue, l'accoster, 2 heures après le tournage était fait. Effectivement, j'avais déjà un premier regard sur les métalleux comme des gens vraiment durs dans leur style. Et puis finalement, on a remarqué que c'était quelqu'un qui était vraiment sympathique, souriant et qui aimait bien la déconnade, comme il le dit lui-même, quoi. Mm-hmm. Et je crois que ça ressort bien dans le sujet, et je pense que de ce côté-là, c'était vraiment sympathique. Donc là, je suis avec le docteur Genoux qui est en train de m'installer des électrodes. Mais expliquez-nous.
C'est simplement pour pouvoir avoir un contrôle du rythme cardiaque pendant que Lucie va faire son saut et après le saut aussi. D'accord, merci beaucoup. Et alors, cette magnifique combinaison, hein, j'ai pas l'air ridicule moi. Et il y en a d'autres, des contraintes comme ça, il y a d'autres mauvaises surprises que tu vas m'annoncer? Non, pas forcément. Je vais t'équiper avec le harnais et après on va monter tout de suite. Ouais. Il n'y a pas de contraintes? Non. Oui, moi je maîtrise totalement ici, il n'y a pas de problème, aucun risque pour moi. Comment ça se passe avec tes amis? Est-ce que tu as encore le temps de les voir? C'est une sorte de grande famille en fait. Et ces gens-là, je les retrouve tous les soirs à l'entraînement ou en compétition. Donc ça me permet quand même d'avoir un cercle d'amis assez proche dans le milieu du sport. Puis sinon, pendant à l'école, donc, je suis toute la journée en cours et puis je vois les gens aussi dans ce milieu-là, quoi, dans ce cadre-là. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes dans le massif du Mont Blanc et nous sommes partis du refuge des Cosmiques pour faire le Montacu avec le Club Alpin Suisse. Donc nous allons recueillir leurs premières impressions. Alors on est en route là sur la montée. Alors il y a le lever du soleil, là c'est assez grandiose le paysage. On a l'aiguille du Midi là en face de nous qui est comme une île au milieu de la mer de brouillard. Des jeunes qui se sont beaucoup investis avec du temps, avec du cœur, avec des moyens aussi, parce qu'il fallait monter au sommet des cimes ou bien oser sauter de l'avion avec le parachute. Alors finalement, des jeunes qui sont incroyables. Peut-être ce qui faisait avancer tous ces jeunes, c'était l'aspect motivationnel. Est-ce que dans les baby-bouchettes, est-ce que c'était aussi cet aspect-là? Vous entendez, entre le facteur Hyacinthe et Mademoiselle Cassie. Entre les babou-bouchettes, entre eux, puis aussi entre les pères. Non, disons que les babou-bouchettes, c'est vrai, une équipe très petite, donc il n'y avait pas tellement de graves problèmes de motivation. Là, ce que je vois qui est super dans ces images, c'est le choix, enfin, d'avoir envie, c'est ça, en fait. Alors, ces jeunes qui, finalement, apprennent un aspect journalistique, mais aussi un aspect technique. D'ailleurs, je vois Maxime, il me semble. Alors, Christophe, je suis à la caméra, là. Oui, fais attention, parce que c'est un métier. Hein, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Moi, j'ai trouvé cette caméra toute seule. Oui, mais là, t'es flou, là, t'es pas juste. Attends, c'est quel? Mais ici, celui-là, l'autre, tu tournes, et puis voilà, très bien. Voilà. Voilà, zoom devant, voilà, c'est lui, c'est voilà. Top dessus. Okay. Attention, tip la lumière top. Rouge s'allume, tu dois faire attention. Ah, c'est un métier, Christophe, hein, oui. T'as vu ça? Et c'est marrant de faire bouger le cadre, là, parce que... Non, mais parce que, comme ça, voilà. Oui, nope. Non, mais tu ne dois pas faire comme ça. Regarde, il faut faire ça. Ah, ça, il était fou, Albert. Voilà, t'es malade. Attention, Albert. Bon, alors, Christophe. Vite, on le voit plus. Christophe, moi, je reste là un moment. Oui. Hein, je te laisse la suite de l'émission. Oui, écoute, moi je vous propose de sortir la baguette magique quand même, mais Maxime, si vous pouvez la prendre quand même un petit peu à filmer, voici Magico et ses cordes. Ben bonjour à tous, rien dans les mains, rien dans les poches, un simple morceau de corde. Un morceau de corde tout à fait ordinaire qu'on pourrait acheter de n'importe quel magasin de magie, évidemment. Un bon vieux morceau de corde solide. Mesdames et messieurs, fixez bien les extrémités, car si je mêle les extrémités comme ceci, et que je souffle dessus, ces extrémités deviennent très souples, deviennent très molles, et deviennent très faciles à les sortir de la corde. Et maintenant, j'ai un morceau de corde qui n'a plus d'extrémité, où il n'y a que des milieux. Un bout de corde sans bout, quoi. Ah bah non, car ils sont ici. Il me suffit simplement de les mettre sans dessus-dessous, un petit souffle magique, et la corde redevient comme au départ. Bon. Cette fois-ci encore plus fort, je vais faire un double nœud bien solide, comme ceci. Vous êtes d'accord que si maintenant je coupe la corde à l'opposé des extrémités nouées, j'obtiendrai forcément deux morceaux de corde totalement identiques. Les ciseaux sont simples, magiques, ce qui compte c'est que ça marche. Et maintenant, normalement j'ai deux morceaux de corde totalement identiques. Bah pas aujourd'hui. Alors je vais me rattraper en prenant le premier morceau, le second morceau, et maintenant le plus important, mesdames et messieurs, la formule magique. Annabelle, Tielung, Gole Papel, Gavelle, Sabadelle. Et la corde est reconstituée. Bon. Voici un petit tout que vous pouvez faire chez vous en rentrant. Vous prenez la corde et vous la pliez en deux. Mais ce n'est pas ça le mystère. Le mystère, il est que si on prend une extrémité qu'on enfonce, comme ceci, elle peut réapparaître de l'autre côté. On peut également le faire avec la seconde extrémité. Et maintenant, j'ai le milieu où était
les extrémités et vice-versa. Bon. Je vois où vous voulez vous venir. Vous dire c'est facile, c'est de la corde de magicien. Eh ben non, car la corde de magicien est ici dans ma poche. C'est un morceau de corde tout à fait ordinaire qu'on peut même faire vérifier au public. Alors maintenant, je vais prendre un petit bout de la corde de magicien et je vais également prendre des ciseaux magiques pour couper un tout petit bout. Et ce petit bout, je vais le donner à examiner à l'invité. Et maintenant, il me reste un morceau de corde moyen auquel je vais faire un gros nœud. Un gros nœud bien visible de tous, comme ceci. Je vais tenter de le faire disparaître, mais il devient petit tout petit, jusqu'à qu'on ne le voit même plus. On ne le voit pas, mais on peut le sentir, il est juste là. Alors c'est clair que je ne peux pas vous faire passer à tout, sinon on perdrait beaucoup trop de temps. Hein. Atchoum, comme ceci. Puis on peut voir que le nœud rejaillit de l'intérieur de la corde. On peut également faire vérifier ce morceau de corde par le présentateur, par exemple. Qui a le grand morceau? Vous me l'amenez, s'il vous plaît. Merci. Pouvez-vous certifier au public que c'est un morceau de corde qui ne s'allonge pas, qui ne rétrécit pas? Très bien, merci. Qui a le petit bout? Vous pouvez certifier au public que c'est un morceau de corde qui ne s'allonge pas, qui ne rétrécit pas? Absolument. Et puis pour terminer, le dernier morceau, tout à fait ordinaire, de n'importe quel magasin. Alors maintenant, nous avons trois longueurs différentes, le grand, le moyen et le tout petit. Et deuxième formule magique, regardez bien, stretcho, 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 et mystérieusement les cordes s'allongent, s'allongent, s'allongent. Pour avoir trois longueurs identiques, ça veut dire que la corde numéro 1 ici, qui ne s'allonge pas, qui ne rétrécit pas. Et cette corde numéro 1 est exactement comme la corde ici, numéro 2, évidemment, qui ne s'allonge pas, qui ne rétrécit pas. Logiquement, la troisième devrait être totalement identique. Vous allez me dire, n'est-ce pas, qu'avec mes talents de prestidigitation ou de tricheur, j'aurais pu manipuler. Alors, pour ceci, je vais nouer les trois cordes ensemble, comme ceci. Et maintenant, toute manipulation ou supercherie devient impossible. De plus, je vais les enfermer dans mon poing, comme ceci. Et maintenant, dernière formule magique, shrinko, shrinko, shrinko. Et mystérieusement, les cordes reprennent leurs longueurs initiales. Ça veut dire que tout au bout ici, nous avons le petit bout. De l'autre côté, nous avons le bout moyen. Et pour terminer, mesdames et messieurs, nous avons le grand bout. Merci beaucoup, Magico. Merci. Époustouflant. Époustouflant. Mais moi, j'ai bien regardé, j'ai pas compris. Hein. J'ai rien vu. Mais rien bon. Vu. Donc, là, on laisse de côté. On y réfléchira encore pendant l'émission. Moi, je vous rappelle qu'on est en train de fêter la nouvelle année. D'ailleurs, bonne année à tous, si c'est pas déjà dit. Et puis, le début de cette émission, on explore aussi les coulisses. Alors, vous voyez, pour faire une émission de télévision, il y a beaucoup de paramètres à mettre en place. Il y a le son, il y a l'image, il y a les caméras. Enfin, tout un petit monde pour mettre en place toutes ces choses-là. Ouais, puisqu'on a le papa d'Albert Levert qui est là, M. Issedman, je crois qu'on peut encore l'applaudir. D'Albert Levert et des Babi Bouchettes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques ficelles sur comment fonctionne une Babi Bouchette? Mais de quelle longueur les ficelles? Peut-être pas les mêmes que ah oui, notre magicien. Mais bon, alors. Comment on fait une chaussette, une marionnette? Bon, la chaussette, c'est tout simple, quoi. C'est vraiment une chaussette. Alors là, je vais être obligé d'avoir deux mains, donc il n'y aura plus de son. Mais bon, je viens tenir le micro. Bon, il faut quand même déjà avoir une chaussette verte, voilà. Ce qui n'est pas des fois voilà. Évident. Et puis, en fait, il suffit de mettre la main dedans, de mettre le pouce à l'intérieur du talon, et c'est déjà fait, en fait. Ouais. Mais après, si yeux, on veut vraiment... Ah bah oui, les yeux, c'est pas bien compliqué, avec deux balles de ping-pong qui sont collées, et puis là, il y a un petit peu de mousse à l'intérieur, de ouate synthétique. Les doigts dessus, et puis ça y est, ça parle tout seul. Ah, c'est excellent. Et pour le faire renifler, il suffit de retirer les doigts en arrière, et ça renifle. Albert Levert a donc, vous avez dit, fêtera bientôt ses 25 ans. Oui. Il y a eu des grandes innovations techniques, comme on le disait en début d'émission. Les 500 premières émissions des Babi Bouchettes ont été enregistrées dans le studio réservé à la speakerine. Dans la cabine de la speakerine. Voilà, c'est-à-dire que c'est un studio qui fait 3,50 m de long, 2,20 m de large. C'est là où on pouvait voir les tiroirs, en fait. Voilà, là, il y avait, c'est pour ça qu'on avait mis des tiroirs qui bougeaient, puisque la caméra ne pouvait pratiquement pas bouger, puisque la caméra était un robot. Il n'y avait pas de caméraman. C'est la magie de la télévision. Et puis, il y a aussi le plateau qui fait beaucoup. Vous avez expliqué les boîtes qui bougent et tout. Ben nous, on n'a pas un plateau qui bouge, mais un plateau qui met long à se monter parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a les panneaux. Et il faut beaucoup, beaucoup de personnes pour le monter. Et beaucoup... Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe?
Personne. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne bouge. Personne ne Je crois qu'on est attaqué sur ce plateau. Dites-nous ce qui se passe. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Je me fâche, c'est moi par terre. Oh mais c'est Docteur K. Je t'ai dit que j'allais me fâcher. Docteur K. Allez pas me chercher. Au secours. Mais je crois qu'on vous a trouvé là. Vous faites quoi? Non, Maxime. Et vous faites quoi? Une aïe. Écoutez, c'est comme ça que vous voulez fêter la première année? Les menottes. Bon alors, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur les pétards. Je suis d'accord avec vous sur les... Vos confettis là, vos cotillons que vous avez envoyés. Mais qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Qu'est-ce que vous faites dit? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? C'est la fin de l'année, c'est la fête. Des confettis. Mais arrête Manon, ne me regardez comme ça. Viens ici. Trois fois. Et, excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous est arrivé dans les coulisses pour, On nous a dit de venir en beau là. En moi j'étais voir le producteur là. Un ami à nous. Je lui ai dit... Le sketch du Colotron, y a pas. Je viens avec les trucs machin là, et on me dit que ça va pas. J'ai dit j'allais me fâcher. Je suis été chercher mes affaires personnelles. Je suis revenu. Tu es commando. Et je me suis dit, on va leur faire la fête pour la fin de l'année. Si c'est comme ça que vous fêtez vos nouvel an, je crois qu'ils méritent un applaudissement. Moi je crois pas. En tout cas, bon maintenant vous allez me trouver. J'ai bien peur. Non, vous allez trouver un... Je crois que ça va pas le faire. Christophe, si on t'entend même plus, là, j'en perds mon micro. Je crois qu'il faut quand même que vous trouviez un autre moyen de fêter cette nouvelle année. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as pas une idée qui te passe par la tête? Écoutez, on va vous retrouver dans un moment, Moshua, mais faites quelque chose, faites quelque chose. Les salauds, ça on s'était pas du tout prévu. Quoi. C'était marqué là, que vous deviez venir au douanier. Quel douanier? Là. C'est même moi, nous on n'a pas de fiche, nous. Bah nous, oui. À tout à l'heure. En plus, on sait pas lire. Bah j'espère. J'espère qu'ils nous trouvent quelque chose d'autre. Maxime, on était justement en train de parler du plateau qui a risqué d'exploser avec notre commando. Alors, je vais essayer de reprendre mes esprits. Je vois plus rien, j'ai dû enlever mes lunettes. Voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Exactement. Voilà. Bon, alors, le tournage, ça dure quelques heures et il y a des fous qui viennent sur le plateau lancer des pétards, des cotillons, etc. C'est la fête, youpi. Mais il y a aussi toute la préparation du plateau et qui a failli finir en lambeau, comme tu l'as dit tout à l'heure. Allez, regardez comment ça marche. Le montage, démontage du plateau, la fourmilière travaille.
Alors Colloque, c'est plus de 60 personnes qui travaillent, qui travaillent jour et nuit pendant 3 jours pour préparer le plateau que vous voyez en ce moment, qui est magnifique d'ailleurs, je tiens à le dire. Alors Albert, on t'engage pour cette émission ? Bah oui, si tu veux, alors je veux bien, il n'y a qu'à me dire ce qu'il faut faire. D'accord, un poste parmi les autres, c'est le son. Ah bah alors là, j'ai toujours eu des problèmes avec le son parce qu'il paraît que je parle trop fort et quand je fais youh, il paraît que dans les limiteurs, ça fait beaucoup de peine et alors je n'ai jamais été copain avec les preneurs de son. Ouais, et puis dans mon oreille, c'est pas terrible non plus. Mais hein. Lui, il a l'air sympa. Hein. Oui, il a l'air sympa, il a des gros casques qui s'appellent Fred. Il ressemble à un DJ. Oui, un peu. Alors Fred, DJ Fred, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est le son, tout passe par ici, c'est ça ? C'est le mélange de tous les micros et des différentes sources. Et puis si je veux m'amuser un peu, est-ce que je peux essayer là ? Ah, tu peux essayer. Non, mais alors, ça, c'est non, Maxime, je crois pas que ce soit une très bonne idée, Maxime. Non, s'il te plaît. Enfin, je crois que s'il s'y met, on va plus tellement pouvoir continuer l'émission. Enfin, je vous dis quand même qu'on va présenter la suite de l'émission. Nous allons regarder d'ici quelques instants un reportage. Oui, bah alors, voilà. Ouais, alors, je t'ai dit qu'il fallait pas faire comme ça. Bah, je t'ai dit. Il est embêtant des fois quand il parle trop. Oui, il est très embêté. Regarde, il tape sur son machin comme ça. Mais nous, on est tranquille, hein. Oui, bah alors. Ah, il a un stylo, le petit malin, le petit margoulin. Bah alors, nous, on va parler à sa place alors. Bah oui. Bon, alors, d'accord. Qu'est-ce qu'il écrit là ? Et alors, maintenant, on voit que bah, il est en train d'avec un papier d'écrire une chose dessus et il a écrit Betizir. Betizir, c'est parti. Betizir, voilà, ça doit être ça. C'est des bêtises. Nous sommes en train de préparer le plateau du docteur. Tâche sur... Alors, pour arriver à Star, il faut passer les échelons, et eux, ils les ont passés. Moi, je suis dans une école et tout, j'ai eu de la peine. Et donc là, ils bossent. Donc si je rouvre la porte, là, on se fait vraiment gueuler. Regardez la porte, on va ouvrir la porte. Et si j'ouvre la porte, on se fait engueuler, vous voyez. Bordel de merde ! Et je vous ai dit. Donc, il faut pas ouvrir la porte. Surtout que dans pas longtemps, ils vont commencer. Béate, encore le petit mot de la fin. Comment motiver nos jeunes qui regardaient cette émission ? On peut le refaire, je me suis planté. Alors, Béate, comment le petit mot de la fin ? Attends. Oui, c'est bon. C'est bon, mais je me suis trompé de question. Ok, bon bah maintenant on va finir de s'habiller et on va vous diffuser un extrait de l'interview d'André. Un dernier message aux jeunes qui regardaient cette émission pour qu'ils fassent du sport, pour qu'ils soient... Ok, maintenant on va finir de s'habiller. J'espère que ça vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à... Bon, nous, on va finir de s'habiller. Urine de dinosaure. Alors, nous, on va finir de se préparer. Et pendant cet instant... On n'est pas tout à fait juste. Placez-vous sur votre gauche, question lumière. Sur votre droite. Oui, donc je suis en direct de Macolin pour vous parler. Colloque, une émission avec un passé, mais aussi avec un futur. Dans le reportage que nous allons voir, d'ailleurs, nous allons parler des différents. Mais qu'est-ce qui se passe encore sur ce plateau ? J'ai l'impression qu'il y a Albert Levert et Maxime dans le coup, vous êtes où ? On s'amuse avec les spots parce que c'est sympa. Oui, parce qu'on est arrivé à la lumière ici. On est tout en haut à la lumière avec Guillaume. Voilà, lui, c'est une lumière. Guillaume, qui fait les couleurs de Colloque. Alors derrière chaque bouton, il y a une lumière, c'est ça ? Oui, mais alors là. C'est ça, ouais. C'est pas trop compliqué, on s'en mêle pas trop les pinceaux. Alors plus il y en a, plus c'est compliqué. Ah, plus il y a de pinceaux, plus c'est difficile. Hein, il faut tous les laver. À la fin, c'est très très compliqué. Mais on fait des plus beaux tableaux. Ah oui, mais exactement. On peut faire avec des feutres aussi, ou bien avec des crayons de couleur. Exactement. Veux, et puis c'est pas la même chose au théâtre et à la télévision, je pense, l'éclairage. Ah, oui, non. Hein, n'est-ce pas ? Alors tout à fait. À la télévision, on a besoin de beaucoup plus d'intensité qu'au théâtre, et puis d'éclairer tous les sens pour éviter un maximum les ombres.
Ah, c'est pour ça qu'à la télévision, il n'y a jamais d'ombre. Parce que exactement. Quand il y a une ombre, on éclaire l'ombre. Comme ça, l'ombre, elle s'en va, puis après, on ne voit plus rien. Exactement. Alors, regarde là, ici, c'est magnifique. Il y a le clavier des lumières. Tu peux regarder que derrière chaque touche que tu touches, eh ben, il y a une lumière. C'est toi qui as dit ça. C'est une très belle phrase. Merci. C'est, oui, c'est beau. Puis, hein. Alors, maintenant, si tu appuies, par exemple, sur le F11. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Maxime. C'est 2, c'est 3. 3. Maxime. Go. Non, pas le 11, le 12. Oh, mais bah, bravo, bravo, Albert Levert. Merci, en tout cas. Heureusement qu'on a trouvé une lampe de poche de secours pour terminer l'émission. Allô, il fallait pas. Allô, ouais, bah, bravo, bravo là-haut, on va vous laisser encore toucher. Comment allô là-haut? On va poursuivre l'émission on va quand même poursuivre. En regardant le reportage. Ah oui, bah alors il faut courir très très vite alors si tu veux la poursuivre. On va essayer en tout cas de retrouver de la lumière. Alors oui. Nous retrouvons les trois invités qui sont venus dans les précédentes émissions de Colloque. Il y a Derib, dessinateur, Alessandra Cuomo, Miss Suisse Romande 2003, ainsi que Beat Kindler, qui est ex-gardien au LHC. Voici leur expérience à Colloque et leurs vœux pour le futur de l'émission. Je trouve que c'est très bien que des jeunes fassent leurs propres émissions et se rendent compte des difficultés qu'il y a à faire de la bonne télévision. Colloque, c'est quand même une émission, un concept d'émission qui est effectivement supervisé par des adultes ou des jeunes adultes. Mais toute la partie est faite vraiment par les jeunes et ça m'impressionne parce que ben, il n'y a pas forcément tous les moyens techniques qu'on aimerait avoir. Moi je trouve que c'est très très bien pour tout le monde, c'est pas seulement pour les jeunes, aussi pour les plus âgés. C'est essentiel de pouvoir proposer ça à des jeunes parce qu'il faut bien qu'ils fassent leurs premières armes d'une manière ou d'une autre, sinon il n'y a pas moyen de réellement progresser. On se sentait quand même tout de suite à l'aise sur le plateau. On a été tous surpris de ce qui se passait sur ce plateau. L'handicap, c'est toujours la même chose, c'est aussi de passer d'un sujet filmé et de revenir ensuite à l'interview. Tout dépend de la manière dont on gère justement. Si on gère avec distance, avec professionnalisme, il n'y a aucune raison que ça se passe mal et c'est ce qui s'est passé pour vous. Des points négatifs mais que je retrouve un peu partout, c'est l'attente. C'est de rester des fois pendant 2 heures sans que ça démarre parce que sur le plan technique, on n'est pas tout à fait au point. La longueur, couper, on commence, on fait encore une fois. C'est dur pour prendre toujours un peu la même phrase pour dire après. C'est ça, ça m'a marqué le plus. J'ai vécu il n'y a pas très longtemps une émission dans laquelle on était coupé régulièrement. C'était pas du direct non plus et l'animateur s'est repris plusieurs fois. Il y a eu des aspects techniques qui n'allaient pas. Ça a retardé l'enregistrement de je crois, 1 heure. Vous n'êtes pas des amateurs, vous êtes des professionnels, mais de jeunes professionnels. On sent bien au début qu'il y a des petites crispations liées à l'inexpérience, quoi. Je sentais très très à l'aise avec eux, mais je sentais quand même une certaine nervosité de eux aussi. Quand on regarde la télévision, bah, beaucoup d'animateurs se trompent, donc ils étaient dans le même créneau. Mais on sentait plus de légèreté. C'est Maxime, il était accroché encore là, assez longtemps là. Surtout ça, il était très très nerveux de ça, je pense, à cause il était très très crispé, parce que je pense que c'était la première fois qu'il l'a fait, je sais pas. Le côté un peu téméraire des jeunes fait qu'on peut se tromper parfois, mais que dans d'autres cas, ça donne une excellente dynamique. Je pense que je n'avais pas le courage pour faire tout ce qu'ils ont fait. C'est vraiment extra. On voit, ils ont de plaisir, ils se donnent, ils investissent. Et puis ça, je trouve que c'est extraordinaire. Je pense que Colloque peut être tout à fait adapté à une plus grande masse encore que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faut viser haut. Il faut chercher une manière de présenter, chercher des idées de reportage qui soient, si possible, originales par rapport à d'autres émissions de ce genre pour capter l'attention des téléspectateurs. J'encourage vous pour vraiment continuer. Je pense que vous êtes une très chouette équipe et vous vous complétez très bien. Et il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas, mais ça prendra du temps. Merci beaucoup, merci. Et ça fait plaisir, ces encouragements. Et on aimerait vous dire qu'on a eu énormément plaisir d'avoir ces invités-là aussi et qu'ils reviennent quand ils veulent. Bien sûr, notre quatrième invité, M. Hissenmann, comment vivez-vous ce tournage ? Bah, je trouve que l'équipe est très très bien, hein. ils sont d'un calme olympique. Est-ce que ça ressemble au tournage des Babibouchettes ? Non, pas tellement, parce qu'on n'avait pas un studio aussi grand, on était beaucoup moins, on est 2 ou 3 maximum, et puis là il y a beaucoup plus de gens à coordonner. La seule chose que je pourrais dire, effectivement, c'est que moi, je trouve génial le projet, l'idée de dire à des jeunes de faire de la télévision. Je pense que le problème, c'est que les jeunes sont immergés dans la télévision. Et en fait, ils essayent de reproduire ce qu'ils ont vu. Parce qu'évidemment, ça a l'air de faire envie de voir des images magnifiques, plein de couleurs, des grands plateaux, etc. Et je me demande s'il n'y aurait pas une démarche à faire un peu différente pour essayer de faire une télévision qui est vraiment différente de ce qu'on voit partout ailleurs. Un peu plus de créativité, peut-être.
Mais ce n'est pas un manque de créativité. Je pense que c'est simplement de pouvoir, une fois, se débarrasser des modèles et puis d'essayer d'inventer autre chose. Parce qu'il y a autant de créativité dans ce qu'ils font ici, dans ce qui est fait là. C'est très créatif, on peut le dire. Mais on sent la chape du modèle qui fait envie. Quoi. Bon, Colloque, c'est une toute jeune émission. Tout à fait. C'est juste 4 émissions. Ça va continuer en 2004. Le message est lancé en tout cas pour les jeunes qui viendront nous voir. Mais moi, je me dis, c'est justement oser ne pas faire ce qu'on voit. Eh bien, justement, on va essayer de continuer parce que justement, on a un petit bout de chemin de fait, mais il y a un long bout de chemin encore à faire et ça va continuer en 2004 avec, en exclusivité, on va vous donner les thèmes parce qu'on ne peut plus attendre. On va vous les donner, Christophe. Nous parlerons l'année prochaine, l'année qui est en cours, 2004, de la politique. Quelle est la place des jeunes dans le débat en Suisse? Quels sont leurs intérêts, leurs revendications? Nous parlerons aussi l'intégration des jeunes étrangers. Alors, est-ce que les jeunes sur le plateau pourront proposer des nouvelles voies d'accueil pour les étrangers? Et nous parlerons aussi de la sécurité routière. Finalement, quel état d'esprit, une réflexion sur l'état d'esprit à avoir lorsqu'on est au guidon ou au volant de sa voiture. Voilà, comme toi, tu fais très attention sur la route, je sais. Voilà. Tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour vous aussi. On a en exclusivité les images. On a déjà des images. Des images d'une prochaine émission, l'émission consacrée à la lutte contre le racisme. Allez, on regarde un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. Novembre 2003, émission sur le racisme avec Dieudonné qui sera diffusée au mois de février 2004. Imaginez Dieudonné aux mains du Dr K et son infernale machine. Colloque et l'aventure continue. Une émission que vous pourrez regarder sur votre télévision régionale. Ouais, bah alors, oui, Albert nous a rejoint. Albert, ça a été dans les coulisses. J'ai fait le tour, maintenant je suis arrivé sur ce merveilleux plateau. Vous avez dit que c'était un merveilleux plateau. Merveilleux. Je te présente Christophe. Oui, nous, c'est une assiette. Albert, franchement, tu as été fantastique durant cette émission. Tu nous as fait découvrir justement tous les coulisses. Nous, on a un cadeau à t'offrir. Un petit cadeau, parce qu'on te voit tout le temps seul, alors on va t'offrir des petites copines. Oh, mais quelque chose pour moi. Est-ce que tu veux que je t'aide, Albert? Ben, j'aimerais mieux, oui. Voilà, alors je vais l'ouvrir. Ah oui, c'est ça. Oh, un cadeau. Regarde comme il est. Bon, j'aime pas tellement le bleu, mais ma foi, c'est égal. Hein. C'est pas grave. Attends, voilà, oui. Ah, tu as un petit peu de peine. Ça a été aussi, vachement bien emballé par Aurélie, hein, qui t'aime beaucoup, d'ailleurs, Albert. Oui, ouais. Attends, je vois. Attends. Mais il y a beaucoup de papier collant, c'est ça, hein? Ouais. C'est toujours très très difficile. En fait, il n'y a que du papier collant. Parce que je crois qu'on est un peu long, tu vois, alors j'aimerais bien que tu te dépêches, voilà. Il connaît la télé, hein, Albert? Oui, oui, mais... Oh, mais elle est magnifique. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah parfait. Est-ce que ça te fait plaisir, Albert? Oh, ça va me faire un sac de couchage. Écoute, hein, je crois que c'est quand même... Merci beaucoup, youh, voilà. On peut applaudir Albert. Albert, pour finir... Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton papa, monsieur Hussenmann, qui était avec nous, qui va revenir après? Qui ça? Le monsieur qui te fait vivre. Albert, tu as vécu 25 ans avec monsieur Hussenmann. Est-ce que tu as un message à lui dire aujourd'hui? Aujourd'hui, si j'ai quelque chose à lui dire. Oui. C'est un jour de fête quand même. Oui, c'est un jour de fête, mais disons que c'est un poids pour moi. Lui, il a toujours été un poids pour moi. D'accord. Ben oui, parce que ça me tire légèrement par le dessous, tu vois. C'est bon, alors va que le je chercher. Je dois m'agripper à la table parce que je... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Albert. Albert Levert. Monsieur Hussenmann, le papa des Babibouchettes. Voilà. Alors, on a et tout. Et vous, est-ce que vous avez un message à dire à Albert Levert, qui vous a suivi aussi pendant une longue période de votre vie? Oui, de toute façon, il ne m'écouterait pas, donc ça ne sert strictement à rien de lui dire quoi que ce soit. Il parle tout le temps, alors je le laisse faire. Voilà. Vous vous effacez? Absolument. En tout cas, merci à vous ainsi qu'à Albert d'être venu passer cette émission de la nouvelle année. Un grand merci, c'est vraiment un énorme plaisir pour nous et pour vous. Voilà. Et quant à vous, on espère qu'on vous a donné envie de faire de la télévision. Et si c'est le cas, c'est très simple pour nous contacter. Écoutez Christophe. Le site internet, éternel site internet, www.tinergie.ch, Tinergie, TENERGY.ch. Il y a aussi le numéro de téléphone 021 961 29 53. Et j'entends du bruit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais voilà. Nous avons nos compères qui sont de retour. Je crois cette fois-ci qu'ils ont quand même trouvé un déguisement adéquat pour cette fin d'année. Ah, ouais. Ouais, mais les gars, nous franchement. Nous avons Polo en reine, un applaudissement. Merci. C'est joli. Et notre Père Noël, avant de nous dire. Arrivons. Oui, ben voilà, ben c'est Noël, ben oui.
Avant de dire au revoir, voici en musique le groupe Légende. Allez. Il nous interprète justement la légende de Noël, Olivier Motet. Voici une chanson sur le Père Noël. Moi, je croyais qu'il n'existait pas, tout comme Albert Levert. Ben, ce soir, ben, j'ai appris le contraire. Fin fond de la Laponie où tout gèle, où tout est neige, où tout est blanc, vit le vieux monsieur Noël sur son traîneau porté par le vent. Le vieillard travaille dur toute la nuit pour les enfants qui lui rédigent, je vous le jure, des milliards de lettres par an. Moi j'aimerais, Père Noël, un petit frère en cheval blanc. Un monde où parfois je regrette de n'être plus enfant. Moi je voudrais bien encore y croire, à ta personne, à ton histoire. Mais je suis hélas trop grand, j'aurai bientôt 7 ans. Et puis d'abord, comment faites-vous, Père Noël, pour combler tous les enfants d'un seul coup? Et passez par la cheminée, et passez par la cheminée. Je vais te le dire, alors écoute dans le vent, écoute la réponse frémir. Tu comprendras quand tu seras grand. Je viens de l'imaginaire pays où tout est neige, tout est blanc. Et les gens de qui existent en chacun petit et grand. Et les gens de qui existent seulement dans le vent. Je viens du fond de la Laponie où tout gèle. Neige, tout est blanc. Je suis le vieux monsieur Noël. Sur son traîneau porté par le vent. Je suis le vieux monsieur Noël. Cette légende n'est pas du vent. C'était Olivier Motet et ses musiciens. Merci à tous d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fête de fin d'année. Bonne année. Bonne année à toi, Christophe. Bonne année, Maxime. Bonne année à vous aussi. À tout Allez, bientôt. On se retrouve bientôt, dans un mois. Bye bye. Merci, c'est bon Jean-Pierre. Jean-Pierre. Hein? C'est dans la boîte, merci.